raconte l'histoire de Léo, qui est un sculpteur sur bois, pompier volontaire, qui vit à la montagne, en Chartreuse. On comprend très vite que c'est quelqu'un qui est très amoureux de sa femme, avec qui il essaye d'avoir un enfant depuis un moment. Et il semble qu'il y aurait un souci, donc sans le dire à sa femme, il va aller faire des analyses. Et on va lui apprendre que le problème, c'est lui et qu'il est stérile. Tu crois qu'elle va me quitter? Mais n'importe quoi. Ça va pas, non? De toute façon, maintenant, il y a plein d'autres moyens d'avoir des enfants. Ouais. Ce sera juste pas de moi, quoi. C'est quelqu'un de volontaire, d'honnête, de sincère, de droit, d'assez héroïque. Enfin, on présente ce personnage un petit peu comme quelqu'un qui a peu de failles et qui a peu de faiblesses. Et d'un seul coup, on va toucher un point très sensible qui est la virilité d'un homme, donc c'est quand même très très particulier. Ça y est, je suis enceinte. Regarde. C'est le troisième test que je fais. Ça a marché. Les courbes de température, les horaires, les positions, tout ça, c'est fini. J'attends un bébé. Il va rentrer dans un tunnel de paranoïa et d'incompréhension et essayer de il va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi et comment c'est possible qu'elle soit tombée enceinte. Je sais quand c'est arrivé. C'est le 16 avril. J'étais à Lyon, j'ai dormi là-bas. On s'était disputé juste avant. Tu l'as pas vu toi le jour-là? Bah si. La Syrie, comme tous les jours. Non, mais je veux dire, le soir, tu sais pas ce qu'elle a fait? Est-ce que ma femme m'a trompé? Comment? Pourquoi? Alors, est-ce qu'elle est aussi forte que ça à réussir à me mentir tous les jours en me souriant en me regardant dans les yeux, en me disant qu'elle m'aime? Là, ça devient shakespearien, parce que les enjeux sont shakespeariens. Tout ce qui lui semblait être des bases très solides dans sa vie jusqu'ici, tout s'ébranle et tout devient très très fragile. C'était pour moi le gros enjeu de ce film et de ce rôle, à partir du moment où il sait que sa femme a eu un enfant avec quelqu'un d'autre, absolument tout ce qu'il va dire et faire est sujet à double sens. Le gros enjeu de ce film pour moi, c'était justement de trouver cette ligne entre les soupçons qu'il peut avoir pour chacun et comment lui va gérer cette situation et analyser ce qui se passe autour de lui et essayer de comprendre. Et pour un acteur, c'est un vrai cadeau parce que du coup, le moindre regard est signifiant, le moindre mot prononcé a du sens et plusieurs sens. Donc c'est vrai que c'était très très... Il y avait un vrai challenge de trouver cette ligne, cette limite entre ce qu'on montre et ce qu'on montre pas, et ce qu'on dit et ce qu'on dit pas, quoi. Qu'est-ce que t'as depuis que je suis enceinte? T'es pas là. T'es bizarre, t'es tendue. Tu dors pas avec moi, on fait plus l'amour. T'en veux plus de cet enfant ou quoi? C'est quelque chose quand même de très très violent d'apprendre qu'on n'aura jamais d'enfant, alors que c'était son souhait le plus cher. Et en plus d'avoir été trompé par la femme qu'il aime profondément, donc est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il va pardonner ou est-ce qu'il va se venger